Pouf pouf YouTube, comment allez-vous? C'est un super, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu via Sky's Piste, The Walking Dead. C'est la partie 4, pensez à mater les 3 autres parties. Si vous n'avez pas vu les parties d'avant, j'ai lu la plupart de vos commentaires et je vais essayer de mieux jouer. Mais voilà, je vous promets rien et en plus vu que c'est bientôt Halloween, je me suis dit que ça pouvait être cool de retourner sur le jeu. Je sais pas quand je le finirai parce que mine de rien, il y a un petit peu de difficulté pour ceux qui connaissent via Sky's Piste. Le jeu n'est pas si simple que ça. Les objectifs sont relativement dur pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout la licence et le gameplay. Vous l'avez vu dans les précédents épisodes, j'arrivais pas à équiper une arme. J'ai lu vos commentaires, on va essayer de faire mieux les gens. C'est l'épisode 4. Hop là, dénombrement du matin, jour 2. Alors, donc, j'ai pas rejoué depuis, je me suis pas du tout re-entraîné. On y joue clavier-souris cette fois-ci, avant on y joue à la manette. On va essayer d'avancer un peu plus et si jamais je merdouille trop, je ferai des petites pauses de temps en temps histoire que ce soit pas trop répétitif. Alors le matin, comme d'habitude, faut venir ici, arrêter de gigoter comme c'est Herschel. Voilà, on est un peu obligé. Faut venir ici, on fait le petit rassemblement, blablabla, blablabla, blablabla. Quand l'heure viendra, nous devrons être prêts pour faire ce qu'il faudra pour rester en sécurité. À noter que je vais tester un autre jeu Walking Dead que j'ai sur Steam depuis un moment. Je pense qu'on fera ça en stream, ça pourrait être marrant. C'est le jeu de Telltale Games, un truc comme ça. Ça fait tellement longtemps que je l'ai et tellement longtemps que je l'ai pas fini que je pense que ça pourrait être une, bonne idée. Alors, 7h, le petit déjeuner. On a l'impression d'être en colonie de vacances un peu quand on y pense. Seulement nos vies sont bien organisées. Hop là. Je prends mon plateau. Et je m'assois. Briquet, ok. Voilà. Et miam 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 miam. Quête briquet. Bon, on verra ça un petit peu après alors pour faire la quête briquet, je pense. Alors. Mangeons, mangeons, on reprend les forces. Ces gens comptent sur moi pour les garder en sécurité. Bien évidemment, le petit déjeuner est fait. Normalement, je peux me barrer direct. Après, ça va être le taf. Le taf va commencer un petit peu après, je pense. Ce serait très utile. Perceuse, ok. Checkera ça un petit peu après. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Avez-vous marcheur? Pile? Putain, les gars, fût, quoi. Faut arrêter un peu. Bah tiens, j'ai une pile, là. Et si. J'ai déjà trop de choses à faire pour les gens. Merde, merde. En plus, j'ai la pile sur moi. C'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Rick, attendez. Qu'est-ce que j'ai pris encore comme... Amener Herschel au chevet de Carl. Ça, c'est fait. Congédier Herschel. C'est fait, c'est fait. Objectif final. Donc, c'est ce que je vous disais. C'est dans ce type... Enfin, le jeu en soi, il est vraiment stylé, je trouve. J'y joue un petit peu offline. Enfin, sans faire de vidéo. Ce qui est stylé, c'est que... Là, je suis tout seul, je fais ce que je veux, mais j'ai un objectif final. Et l'objectif final, le souci, c'est ça, c'est qu'il n'est pas si évident que ça, parce qu'il faut armer tout le monde, et il faut fouiller et tout. Et pour quelqu'un qui n'a jamais joué à VS Skypiste comme moi, c'est de suite un petit peu difficile. Alors, tu sais quoi, ça, je le fais pas. Besoin de votre aide, prenez barbelé à rôdeur, je fais pas non plus, je vais crever. Bandage, pourquoi pas. Et en note, on a ça. Alors, on m'a dit qu'il fallait que j'aille dans profil... Et que... Ça, c'est un outil... Merde, j'ai pas d'armes sur moi et que donc, je pouvais les placer ici si je voulais. Et du coup, c'est ce qu'on va tester, justement. Faudrait juste que je... Je vais retourner voir Herschel, là, pour lui dire que j'ai bien réfléchi, je peux l'aider. C'est qui, là, ce vilain? Je voulais... Qu'est-ce qu'il dit? Ouais, non, c'est vrai. Ah, Herschel. Comment ça va? Ah ouais, c'est vrai, j'avais zappé qu'il y avait ça aussi, si... Ils peuvent me suivre. Oh, j'ai tellement zappé les commandes. C'est horrible, les gens, c'est horrible. Bon, du coup, on repasse à la manette, hein. Entre nous, voilà. J'avais un peu plus... Enfin, pourtant, le jeu n'est pas compliqué, les gens doivent se dire, « Ouah, t'as vu, t'as une galère et tout, ça a l'air super compliqué. » En fait, le jeu n'est pas si compliqué que ça. C'est juste que pour moi qui n'ai jamais joué à VS Skypiste, à mon avis, j'arriverai jamais à finir le jeu tellement c'est chaud. Je suis obligé de jouer à la manette pour comprendre exactement les touches, comment elles sont faites. Alors, j'ai laissé l'objet barbelé. Je t'ai dit non. Attends. Attends. Je viens de comprendre un truc. Viens ici. Oh, ouais, attends, on va taffer, on taffera après. Toi, tu voulais pile, je crois. Non? Non, tant pis. Bon, allez, on va aller faire ça d'abord. On va arrêter de faire n'importe quoi.
On va regarder les sacs à dos, après je fais les habits, après on essaiera de faire autre chose. Parfait, une arme. Donc dans ce cas-là, l'arme, si je fais ça, je peux l'équiper. Ah, ok, parfait, ouais, c'est ça que... C'est ça que j'avais pas compris la fois d'avant. Du coup, bon. Du coup, je m'étais un peu tapé l'air con, parce que forcément, quand on connaît le jeu, ça doit énerver de voir un gars galérer comme ça, mais j'avais juste pas compris qu'il fallait se l'équiper dans l'inventaire. Allez, hop. Hop. Bah. Ok. Hop là. Bon, moi, je préfère y jouer à la manette. Hein. Encore une fois, j'ai déjà dit, je suis joueur PC. Mais il n'y a pas photo sur certains jeux. La manette, c'est plus simple. Et pour ceux qui avaient du mal avec VS Skypiste, essayez-le à la manette. Parce que moi, j'y joue à la manette d'Xbox One. Et franchement, je préfère. Je trouve le jeu mieux. Hop là. Hop. Hop. Hop là. Donc, on fait le quota de travail. Pour ceux qui n'ont pas regardé les autres épisodes, tout simplement, notre journée... est très rempli, on a des trucs à faire. Alors on n'est pas obligé de tout faire. Si j'ai envie de pas travailler, bah je travaille pas tout simplement. Mais si je taffe pas, vous voyez le truc de zombie en haut qui est à 10%, il va monter et du coup il y a peut-être des zombies qui vont arriver et ça va être le bordel. Mais bon là déjà c'est cool. Je peux me battre avec mon truc. Donc bon normalement ça devrait être un peu mieux. Bonjour tout le monde. Oh là, putain, à chaque fois, je me trompe dans les touches. C'est tellement horrible. Ok. Allez, mangeons. Mangeons, mes frères. Mangeons. Attends, mangeons. T'as même pas pris de plateau, bébête. Merde. Ok. Ok, je me suis fait quenelle à repas, je crois. Vilain. Vilain, vilain. Alors, du coup, après-midi, je crois que je suis vraiment pas fait pour ce style de jeu. Parce que c'est juste, ça va tellement vite. Que je ne comprends juste rien du tout, tellement je galère. Donc, elle, je lui avais mis un marteau. Toi, Herschel, je t'avais mis un outil. J'avais une mission, je crois. Glenn, bandage. Prenez briquet, briquet, briquet. Ok, donc ils veulent des briquets. J'en ai déjà un sur moi de briquet. Qui c'est qui veut un briquet, du coup? C'est Glenn et Dale qui veulent un briquet. Et par chance, j'en ai un sur moi de briquet. Dale. Dale, il voulait un briquet. Attends, et ça te fait pas chier? Garçon, s'il te plaît, je viens de te filer un briquet, là. Ou alors, il veut pas, je vais vraiment devoir aller le rechercher. Attends, et si je fais ça? Non, tout ça. Attendez, c'est Dale qui est devant moi. Dale, il me dit, Rick, on a besoin de votre aide, prenez briquet à marcheur, s'il vous plaît. Je fais, ok, pas de soucis, j'ai un briquet sur moi, tranquille, toi, je te le file, c'est cadeau, tu fais ce que tu veux avec. Je lui donne. Rien à foutre, le mec. Insupportable, insupportable. Bon, allez. Bon, on va pas s'attaquer à ça tout de suite. On a une arme qui fait 4 de dégâts, distance d'attaque 1.5. On pourrait aller faire du sport aussi, je pense. Ça pourrait être stylé. Ça pourrait être stylé, ça pourrait être stylé. Seulement pour ceux qui hésitent à prendre le jeu, franchement, prenez-le, parce qu'il y a vraiment un petit potentiel et tout ça. Je trouve super stylé, en plus le style 8-bit et tout ça, c'est vachement, vachement, vachement stylé. Par contre, c'est vrai que c'est quand même un peu chaud quand on n'a pas l'habitude. Moi, personnellement, je trouve que le jeu au premier abord est au niveau difficile un petit peu au niveau de son délire. Ou sur la plupart des jeux auxquels je joue, j'ai... Je peux faire ce que je veux, je gère mon temps de jeu. Là, sur celui-ci, à telle heure tu dois être là, à telle heure tu dois être là, à telle heure tu dois faire ci, à telle heure tu dois faire ça. Si tu fais pas ci, il se passe ça, enfin c'est un peu chaud. On va aller voir un petit peu ce qui se passe en bas pour essayer de loot. On va essayer de trouver des armes. À mon avis, c'est pas très très compliqué ce que je dois faire. Juste, je cherche un maximum d'armes. Et quand j'ai trouvé plein d'armes, je les file à tout le monde, j'ouvre la grange et je vois ce qui se passe. T'as une arme ou pas toi, Maggie? Si t'as un marteau, vas-y, viens, Maggie. On va essayer ça à deux, je pense. Sachant que Tyrese est mort dans l'épisode d'avant. Voilà, quoi. Autant vous dire que c'était pas terrible. Nice. Bien joué. La vie, c'est pas grave, la vie. Vous voyez, la vie, elle remonte. Donc, c'est plutôt stylé. Je pense qu'il y a moyen que, comme ça, on se gère bien. Voilà, stylé.
Maggie, sa vie, elle remonte. Maggie, t'en es où? Parfait, la vie remonte de Maggie. On va attendre un petit peu, on est à 7, 8. Tranquille, tranquille. On va essayer d'aller en bas, là. Voir si on prend pas l'aggro. Pourquoi je peux pas y aller? Genre, on peut pas y aller? Non, 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 on envoie personne sur personne. Maggie, vas-y, go, on se fait lui. Ok, stylé, Maggie, bien joué. Ouais, c'est stylé, je commence un peu à comprendre comment ça se passe. Parce que j'avais juste rien compris au début. Alors, faut surtout pas que Maggie meure. Allez, elle va mourir! Ok, non, c'est bon. Ouais, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Alors, bon, elle a que 6 points de vie. A noter que si je fais mourir un perso méga important à la série, c'est-à-dire que, en l'occurrence, là, Maggie, elle est importante. C'est un personnage que je peux pas paumer, pas comme Tyrese, où Tyrese, on aurait dit que tout le monde s'en battait les couilles. Mais elle, à mon avis, si je la perds, c'est fini, je dois tout recommencer. Donc, j'ai essayé de me mettre en premier en avant. Allez! Ah, c'est cool. Ouf. Je pense, heureusement que je suis venu avec elle, parce que sinon, tout seul, ça aurait été un peu galère. Non, 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 tu n'attaques personne. C'est ça que je m'étais trompé la dernière fois que j'avais joué au clavier souris. J'avais tellement fait de la merde que j'avais envoyé Tyrese se battre tout seul. Non, c'était pas Tyrese, c'était Herschel. Il avait été tout seul dans la grange, il s'était fait défoncer. C'était n'importe quoi ce qui s'était passé. Donc, on va rentrer tranquillement. Ok, bon, lui, il est bloqué. Je vais la ramener, c'est cool. On pourrait clean un petit peu. On va continuer à explorer un petit peu, du coup. Alors, vous savez qu'il y a des trucs à ramasser. J'ai vu que j'ai des missions, là, il y a des zombies à aller voir et tout ça, on ira les voir un peu après. Ok. Hop là. On va attendre un petit peu. Bon, c'est cool, elle est plutôt résistante en plus, notre vie se recharge. Notre vie se recharge. Non, 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 tu n'attaques personne. Ce que je vais faire, c'est que je vais te donner ça. Allez, viens, on rentre à la maison, jeune fille. Donc là, c'est le dîner, donc autant te dire qu'il va falloir qu'on se manie un peu les fesses. Ok, la porte est là. Allez, vite. Je pense que ça doit se terminer à 20h. Hop là, je lui dis salut, à plus, on se parle plus. Donc ça, c'est stylé, vous voyez. J'ai l'impression que je commence un peu à comprendre comment ça marche. En soi, on avance. On avance dans le progrès. Donc c'est cool. Voilà, du coup, autant vous dire que... Au moins, je vais au moins essayer de faire ce niveau tranquillement. Je pense à faire en stream. Bon, ça claquerait un peu plus parce que au niveau du jeu, j'ai l'impression que ça dure un petit peu de temps. Mais voilà, au final, c'est plutôt stylé. Là, c'est le soir. Les gens, on va aller dormir et on se retrouvera demain. 22h, les gens. C'est le rassemblement. J'ai fouillé un petit peu plein de trucs. J'ai essayé de finir cet épisode dans cette vidéo en faisant pas mal de pauses, histoire que ce soit pas trop répétitif. Donc là, c'est le rassemblement de fin. Et je me suis un petit peu trompé parce qu'il est là-haut, je crois. Non, il est en bas, le rassemblement. Ah ouais, c'est vrai, il est en bas. Donc du coup, j'ai dans l'idée d'équiper tout le monde avec des armes, vu que c'est le rassemblement. Du coup, ils seront tous là. Parfait. Alors, toi, t'es armé. Toi, t'es armé. Toi, t'es armé. Toi, t'es pas armé. J'ai été chopé des armes partout, en fait. J'ai tout fouillé. Toi, t'es armé. J'ai trouvé des trucs plutôt stylés, donc genre des médicaments, je te les file. J'ai encore des armes, j'ai encore des armes. Est-ce que tout le monde est armé? Tout le monde m'a l'air d'être armé, donc c'est plutôt stylé. Du coup, là, les gens, on va aller se coucher. Parce que je sais pas si la nuit, les zombies sont plus agressifs ou pas. Donc, on va aller se coucher. Et histoire que tout le monde dorme tranquillement et tout ça. Et demain, demain, on lance l'assaut. Les gens, à demain. 6h du matin, la journée commence bien, tout le monde a bien dormi, tout le monde est levé. Je vérifie que tout le monde ait des armes, on va tester si ça passe comme ça, on a tous des armes. Alors, on n'a pas énormément de vie, j'ai que 15 cœurs, je sais pas si c'est le maximum. Cela dit, on a tous passé de bonnes nuits, personne n'est fatigué, personne n'est malade. Voilà, on est tous bien en forme, je pense qu'il y a moyen qu'on teste l'assaut les gens. Je pense qu'il y a moyen, on essaye. Attends, avant on va faire... Allez! Allez, 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 il y a moyen, il y a moyen. Parfait, 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 parfait. Vous avez vu, on a déjà commencé un petit peu. On prend le petit déjeuner.
bien évidemment, tranquillement, histoire que tout le monde se remette en selle. Et après, les gens, on va faire l'assaut, là, il n'y a pas moyen. Je pense que ça peut passer. Putain, j'ai failli foutre un coup de couteau à quelqu'un. Désolé. Hop là. Voilà, tout le monde reprend des forces. Et là, attention, les gens, là, c'est l'assaut. Alors, il n'y a que ceux qui sourient comme ça qui peuvent m'aider. On va attendre un petit peu que tout le monde finisse de manger. Et après... Après, attendez. Attends. Ici. Ok. Alors, par chance, les gens m'apprécient plutôt bien, je pense. Donc, on va essayer de recruter tout le monde. Sauf que lui, il veut pas venir tant que j'ai pas fait sa quête débile, là, j'ai l'impression. Il a pris l'objet. Ok, bon, on va aller faire son zombie de pacotille, là. Sinon, il va pas vouloir venir nous aider, je pense. Donc, on va aller le faire. Ok. Ok, ok, ok. Voilà, donc du coup, Herschel est content. On a pris son briquet de pacotille. Vu que j'ai ma petite équipe et qu'on est plutôt stylé, Herschel. Herschel. Herschel, arrête avec tes quêtes là, tu m'énerves. Tu m'énerves tellement, Herschel, si tu le savais. Tu veux pas venir aider, Herschel, sinon? Putain, on va devoir faire ces quêtes débiles. Peut-être qu'il voudra bien m'aider après, je ne sais pas. Vous savez quoi, j'ai quand même envie de voir si ça passe à 4. Est-ce qu'on peut clear la grange à 4? Tu veux venir ou pas, toi? Garçon, garçon, garçon! Mais non, mais les gars, on survit, là! C'est sérieux, les zombies! Ok. Ok, on back, on back, on back. Allez, go, go, go. Ok, bien joué, on reprend un peu de la vie. Et tu veux pas aider, garçon, là? Vous avez déjà... Vous avez déjà trop de suiveurs. Ok. Ok, ok, donc on essaye de clear à 4 tranquillement. But du jeu, les gens, je vous le rappelle, et c'est ce que je vais essayer de faire dans cette vidéo, finir ce niveau, c'est-à-dire... C'est la quête de fin. Oh, attendez, je me perds avec mes touches. Waouh, la puissance, les gens. Je sais plus ce que je fais. Objectif. Ah, voilà, c'était ça. Alors, objectif final. Explorer le niveau afin d'armer vos survivants et de vous débarrasser de tous les marcheurs situés dans la grange. Donc, ce qui est cool, c'est qu'on n'a pas tous à se les faire d'un coup. Allez. Allez, 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 allez. On se les fait, on se les fait, on se les fait, on se les fait, on se les fait. On se les fait, on se les fait. On back, on back, on back, on back, on back. On back, on back. C'était chaud, les gens. C'était chaud. Tant pis pour tes trucs de travail, mec. Osef. On vit un rêve, là. On vit un rêve, on vit un rêve, on vit un rêve, on vit un rêve. Ok, on se barre. Mais il y en a combien? What? On vit un rêve, les gens. On est en train de vivre un rêve, là. Ce serait cool que j'y arrive, comme ça, dans ma tête, je commence à comprendre un peu le mécanisme du jeu, et je commence à comprendre comment ça passe. Alors, je sais pas si vous auriez fait comme ça. Ouf. Herschel! S'il te plaît, Herschel. Ficelle lieuse! J'ai une perceuse, tu veux pas une perceuse, Herschel? Non, il veut pas. Allez, déjeuner! Hop, on va tous manger, reprendre des forces. On fera tes quêtes après, Herschel, je suis désolé, mais là, tu nous insupportes un petit peu quand même. Bon, allez, tout le monde mange. On y retourne après, on finit ce level, les gens. Je le sens bien. Je le sens bien. T'as mangé ou pas, toi? Allez-y, allez manger, les gars. Allez manger, allez manger. Ne s'inquiétez pas. On aura tout le temps de faire cela après, bien évidemment. Hein. Je peux pas... Hop là. Parfait, parfait. Alors, je vais regarder rapidou, qu'est-ce qu'on a comme arme.
Donc on a un truc qui fait 4 de dégâts, un truc qui fait 3, et ça, ça fait pas de dégâts. Donc là, on a un 4 et un 3. Clé à molette, ça fait combien de dégâts une clé à molette? Oh, quoi qu'on s'en fout, je pense. Au point où on en est. Ils sont tous armés, comme ça, je peux prendre n'importe lequel. Ok, bah toi, par contre, tu viens, t'as une grosse hache. Je pense que tu peux aider. Attends, si je te prends la hache et qu'à la place, je te mets ça. Là, je fais combien? Waouh, la hache fait 4.8. Ok. Donc la hache. Genre la hache, toi, je te la file. Voilà, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. J'ai besoin d'aide. Les gars, les gars, les gars, commencez pas à partir. Eh! Garçon! Garçon! Eh, les gens, là, où c'est que vous allez? Viens ici! Viens ici! Go, 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 go! Ah, t'as que 12 points de vie, le vieux. Putain, tu fais chier. Allez, go, go, on y va. Ah! On lui marave sa gueule! Bien joué! On lui marave sa gueule, les gens, on lui marave sa gueule! Bien joué! C'est ça qu'on veut! Attendez. Non, non, viens ici! Garçon! Garçon! S'il te plaît, garçon, on vient un rêve, là. On vient un rêve. Parfait, merci. Y'a combien de zombies dans ta grange, là? Ah, du ruban adhésif. On vient un rêve, les gars. On vient un rêve, là. Oh oui. Oh oui, dis-moi qu'on est en train de réussir. Ok. Ouais, en fait, faut être agressif, en fait. Volume 9. Note de fabrication. On vit un rêve, les gars. On vit un rêve. Bon, alors, qu'est-ce qu'il faut faire, en fait, maintenant que j'éclaire la truc, là? C'est pas fini, encore? Oh, le camping-car! Oh, oui! Oh, oui! Oh, les gens, je pensais que ça allait durer 50 ans! Les choses tournent mal pour le groupe. Eric n'a pas d'autre choix de faire ce qui semble juste et... Au final, des survivants quittent la ferme. Merci à ceux qui m'ont aidé en m'expliquant comment m'équiper. Il y avait Tom, il y avait Bugman, Axel et plein d'autres. Les gars, merci de m'avoir aidé dans les commentaires parce que je croyais vraiment que j'allais jamais y arriver. Au final, c'est pas si compliqué que ça. C'est juste que là-haut, faut que ça tilte. Hein, parce que des fois, je suis un peu lent. Et genre, je comprenais pas et je passais mes journées à aller au rassemblement, déjeuner, travailler. Manger, aller au rassemblement, dormir. Je passais mes journées à faire ça, je faisais rien d'autre. Donc ça fait plaisir parce que j'ai quand même bien galéré. Les gens, c'est cool, honnêtement, j'étais pas sûr qu'on y arrive. Voilà, c'était vraiment pas sûr, pas sûr, pas sûr. Donc on a déjà fait hôpital Harrison Memorial. On vient de faire ferme familiale des Greens. Et maintenant, tout simplement, on va faire établissement correctionnel de Merriweather. C'est tout simplement la prison. Après, il nous restera à faire Woodbury. Et Alexandra, et ce sera fini. Les gens, j'espère que cette série vous plaît. On se retrouve dans une prochaine épisode où j'essaierai de faire genre 2 vidéos, 1 épisode, histoire que dans la première vidéo, vous m'aidiez à comprendre un peu ce qu'il faut faire, et que dans l'épisode 2, je mette en pratique vos conseils. Les gens, se laissent là-dessus, bonne survie, faites gaffe à vous, faites gaffe aux zombies. Bisous, tchou! Et merci pour l'aide dans les commentaires YouTube, les gens. Ça m'a fait plaisir, et grâce à ça, j'ai pu gagner. Bisous!